Tu as été superbe. T'es pas obligé. Vraiment, dans l'acte 3, tu étais rempli d'émotions. Tu as senti la salle? Il y a eu un silence d'une rare intensité. J'ai été médiocre, Henri. Ne dis pas ça. Je comprends pas pourquoi depuis notre séparation, t'éprouves un malin plaisir à aimer tout ce que je fais. Enfin, tout le monde est unanime, tu étais Chimène, dans ton corps, dans ton sang. C'est bien simple, je t'ai pas reconnu. Tu les as vus t'applaudir debout? Non. Non, je t'ai vu toi, avec elle, au milieu de l'orchestre. Je sais pas comment t'as pu me faire ça. C'est une amie. Quelqu'un avec qui je passe un peu de temps. C'est tout. Elle est veuve. Elle a besoin de sortir un peu. On a fait quelques expos. Là, je l'ai emmenée avec moi au théâtre. Et demain, on va à Fontainebleau pour faire du cheval. Ça te rappelle rien? Bah, non. T'as fait pareil avec moi. Le cheval, la culture, c'est chic. Tu nous emmènes dans un tourbillon de plaisir, on a le temps de penser à rien. Et au moment où on s'y attend le moins, tu nous donnes le coup de grâce. Et en plus, on trouve ça beau. Ne me touche pas. Voyons, Sarah. T'es encore sur scène? Redescends. Va-t'en, s'il te plaît. Attends, tu te l'as présentée. Tu vas voir, c'est une fille très chouette. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Arrête! Tu vois pas que tu me fais du mal? Cet endroit, c'est chez moi, c'est ma vie. Il y a 5 ans, c'est ici que tu m'as parlé pour la première fois et aujourd'hui, tu veux me présenter cette fille? Et je sais très bien ce qu'elle va me dire, Henri. Vous étiez magnifique, Henri m'a beaucoup parlé de vous. Si tu savais ce que je m'en fous. Tu t'en rends pas compte, Henri. Mais tu me violes moralement. Va-t'en, s'il te plaît. Gâche pas les beaux souvenirs qu'on a eus ensemble.